Pour la mise au point de la carte FDBus Motor, j'ai recréé ici un index de trim, donc je me suis inspiré de la réalité. Donc un plateau avec une rainure en serpentin. Ici un index qui va avec un doigt qui va glisser dans le serpentin ici à l'intérieur. Donc là, l'avion est à l'arrêt. Je vais sortir un peu de flap, moteur, et on y va. Donc là, l'index est ici, l'index est là au niveau de l'écran. On tire un peu sur le manche et on est parti. Donc là on voit bien l'index là qui est bien en bas et là l'index qui est en bas. Donc j'ai dû corriger quelque chose au niveau du driver, c'est la position 0. Comme la course ici est très petite, j'avais un décalage de 2 points en avant et 2 points en arrière, donc ce qui est trop. Comme la course est très petite, donc j'ai diminué. Il y a une fonction qui permet maintenant de choisir le décalage qu'il y a de part et d'autre de la fonction de consigne. Donc là je suis assez monté, je vais piquer un peu. Voilà. Donc la réaction est pas mal. Un peu pas assez de précision peut-être. Dû justement à cette course trop faible. Donc là je vais piquer franchement. Là, je vais essayer de redresser juste à la dernière minute. Là, et je tire à fond. La réaction est sympa quand même. Ça permet de. Déjà, ça m'a permis de mettre au point le driver et voir que pour certaines fonctions, je devais ne pas avoir trop de marge de part et d'autre de la valeur de consigne. Là, ici, ça coince un peu. Voilà. Et pouch, un beau crash.